déclic plutôt, comme ça a été notamment comme avec les organisations jeunesse, je dirais, comme par la Fédération jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick au départ, comme par mon implication dans les colloques, puis ça. Au niveau de la diversité sexuelle, comme c'est là que j'ai commencé à avoir davantage de ressources en allant à des colloques comme provinciaux quand j'étais au secondaire. Puis à ce moment-là, comme ce qui était comme dans l'actualité, c'était la question d'avoir des toilettes non genrées. C'est pas nécessairement des toilettes non genrées comme telles, c'est juste des toilettes accessibles pour tout le monde qui s'entend de façon comme qui sont sécuritaires. C'est ça, j'étais en 10e année, puis j'ai écrit une lettre au district avec le comité qu'on avait à l'école hexanique, justement pour demander à la région de comme faire action dans ce sens-là, comme les districts scolaires, qu'il y ait des toilettes accessibles pour les personnes. Puis justement, je parlais de ma situation comme un témoignage. J'avais pas fait encore mon coming out comme homme trans, mais je leur disais comme que c'était impossible pour moi d'en faire ici quand il n'y avait pas nécessairement les accommodations comme nécessaires. Puis je dirais que dans ce sens-là, comme mon déclic un peu était là, parce que je me disais comme qu'il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui ont besoin nécessairement de choses, mais qui peuvent pas parler ou qui peuvent pas comme sans le dire. Puis moi, c'était plus facile par l'écrit, fait que j'avais écrit une lettre, puis après ça, je pouvais le présenter, puis c'était vraiment comme... C'est là que j'ai eu un déclic. C'est vraiment quand je suis arrivée aux études supérieures à Trois-Rivières que j'ai commencé à être sensibilisée un peu, parce que je sais pas, je me demande si il y a pas quelque chose peut-être dans la culture québécoise qui était peut-être plus militant d'emblée. Tu sais, je voyais que les associations étudiantes étaient beaucoup plus militantes que ce que j'avais vu ici, à Edmonton du moins. Je pense qu'il y a une différence là, justement, Nord-Ouest versus la péninsule, qui est beaucoup plus militante au niveau, ou le Sud-Est, là, qui est plus militant au niveau de la langue et tout ça. Moi, il y avait pas nécessairement ça au Nord-Ouest pendant mon adolescence, fait que ça a été vraiment mon contact avec mes collègues aux études, au doctorat, à maîtrise doctorat. Puis, tu sais, il y avait tout le printemps érable vers la fin là, de mon doctorat, de mon parcours plus académique. C'était vraiment les manifestations, qu'on a osé des frais scolarité et tout ça. Fait que je les soutenais un peu là-dedans. T'sais, ça me concernait pas dans le sens où j'étais en dernière année, mais tu sais, j'ai fait la grève et tout ça avec eux et elles, mais c'est ça. Fait que ça a été, je pense, ça, un premier contact plus avec le militantisme. Il y avait des discussions sur l'équité salariale aussi. Tu sais, j'avais jamais nécessairement entendu parler d'équité salariale avant, mais je me souviens que, bon, pendant mon internat, il y avait une pétition qui circulait pour la question d'équité salariale, entre autres dans le secteur public et tout ça. Fait que dans le fond, ça a été ça. Puis quand je suis arrivée à Edmonton, ben ça a été vraiment le fait d'être voisine de bureau de Nicole Lang, qui était à ce moment-là membre du conseil d'administration du RFNB, puis qui avait mis une affiche entre mon bureau et le sien, parce que c'était une période, vraiment une campagne de recrutement. Puis elle avait organisé aussi une séance à l'université de questions-réponses, informations sur le recrutement. Puis c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser. Puis tu sais, souvent je dis que j'étais pas nécessairement, je viens pas d'un milieu politisé. Tu sais, mes parents n'étaient pas nécessairement, avaient pas nécessairement. Ma mère était infirmière, mais elle a été dans un collège, davantage une formation collégiale, non pas universitaire. Mon père n'a pas terminé son secondaire, fait que j'étais un peu universitaire de première génération. Puis je dis souvent que mes parents étaient pas nécessairement politisés, on parlait pas politique nécessairement à la maison ou en jeu, mais en même temps, j'ai comme réalisé dernièrement que j'ai eu quand même un modèle d'engagement, peut-être pas d'engagement militant en tant que tel, mais d'engagement chez ma mère, parce qu'elle était directrice d'un foyer pour personnes avec des handicaps. Donc, puis je la voyais aller à des rencontres du conseil d'administration, parce que, bon, c'était un foyer géré par un conseil d'administration. Puis, fait que j'ai vu quand même l'engagement dans le milieu communautaire. Puis, tu sais, c'était quand même un engagement de sa part, dans le sens où elle mettait beaucoup d'heures, énormément d'heures, puis elle aurait pu aller travailler à l'hôpital et avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions. Elle le faisait vraiment par conviction, puis parce que elle tenait, dans le fond, à améliorer la vie de ces personnes-là.
Fait puis j'ai grandi là, tu sais, à Noël, on allait à la fête de Noël du cocon, c'était le foyer le cocon là, puis fait que tu sais, j'ai grandi là-dedans quand même. Fait que je pense que c'est probablement ça la graine qui a été semée, de prendre soin des autres, de se préoccuper, de prendre la défense quand il y a de l'injustice. Ça, j'ai toujours eu cette tendance là à l'école, de vouloir défendre les personnes que je voyais qui pouvaient être victimes d'injustice ou qui pouvaient être intimidées. Mais vraiment, l'engagement militant, ça a été avec le contact avec Nicole, qui a fait en sorte que j'ai intégré le conseil d'administration du regroupement féministe. Puis mon engagement au sein du regroupement féministe a fait en sorte que par la suite, ben, je me suis engagée avec d'autres organismes, plus la région du Nord-Ouest. Puis ça a vraiment comme orienté tout le reste, là, en fait, de autant de ma vie que de ma carrière. Ça a orienté la recherche que je fais, ça a orienté mon enseignement, ça a complètement transformé, je pense, mon parcours. Ben, moi, mon premier réflexe là, dans les façons d'engager, c'est vraiment dans les conseils d'administration. T'sais, c'est vraiment dans le travail. Soit dans le conseil, ouais, conseil d'administration ou soutien au conseil d'administration, c'est mon premier réflexe. Hein. Dans les comités, dans les différentes initiatives, fait que vraiment plus. Puis j'aime quand ça avance, tu sais, que je, comme si, j'ai tendance à, j'ai besoin d'apprendre à mettre des limites ou à pas vouloir tout faire. Fait que souvent, je vais comme rester en retrait, tu sais, quand je vais contribuer, mais dans un rôle un petit peu plus secondaire. Mais s'il y a quelque chose que je trouve vraiment important puis que je vois qu'il y a pas personne qui s'avance, ben je vais le faire, tu sais. Fait que c'est vraiment plus justement conseil d'administration, mais c'est aussi tu sais, de répondre aux demandes, tu sais, de soutenir, tu sais, j'ai fait une planification stratégique bénévolement pour un organisme qui avait pas vraiment de moyens. Je vais participer s'il y a des forums, des choses comme ça, sur des enjeux que je trouve importants. C'est plus là, tu sais, moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Tu sais, souvent, je vais partager des choses, mais ça, je trouve ça plus difficile, là, de garder à jour des pages de réseaux sociaux. Fait que je suis plus comme dans l'action, comme physique, là, puis dans la planification et tout ça. Puis, ben, tu sais, quand je peux aussi au quotidien sensibiliser des personnes, tu sais, fait genre, si je suis en train de discuter avec quelqu'un, puis qui apporte un point de vue avec lequel je suis pas d'accord ou qui démontre une certaine fermeture d'esprit, je vais avoir tendance à... J'aime discuter, là, fait qu'argumenter tout ça, mais et dans mon enseignement aussi, en fait. Tu sais, je me dis, c'est comme, tu sais, des fois, il va y avoir un étudiant ou une étudiante, une personne qui va prendre un cours, tu sais, peut-être juste un cours avec moi ou un cours de psycho, puis je me dis, ben, tu sais, si je peux comme donner une perspective un peu plus ouverte, un peu plus diversifié à cette personne-là, tu sais, même si son parcours lui offre pas tant d'occasions comme ça, ben tant mieux, tu sais. Puis tu sais ça, des choses, répondre aux demandes des médias, faire des capsules à la radio, donc tout ce qui est sensibilisation, tout ça, je pense que c'est un bon moyen aussi de s'engager, d'essayer de faire évoluer les gens dans leur façon de penser. C'est pas sans lien un peu à la façon que je m'engage, dans le sens, ben, au départ, comme quand j'ai commencé, comme ma façon était plutôt de sensibiliser, puis c'est un peu comme ça que j'avais commencé, que je faisais des présentations pour présenter un peu les réalités, comme les personnes trans, puis comme juste pour que comme il y ait comme une histoire ou que les gens soient au courant qu'on existe, là, tout simplement. Puis avec le temps, j'ai comme diminué un peu à faire ces choses-là parce que ça prenait quand même beaucoup d'énergie, puis c'est quand même des choses qui sont difficiles, comme quand que tu vis dans une région puis t'es comme une minorité qui, je sais pas, que tu sais, qu'on apprend juste à qu'est-ce que c'est des personnes trans puis ça, puis c'est quand même, faut que tu t'attendes à avoir comme des commentaires, puis ça forge une personne, oui, mais c'est comme, fait que dans ce sens-là, j'ai peut-être pas continué autant de comme sensibiliser par témoignage parce que
je voulais davantage m'investir du côté académique, mais c'est pas sans lien comme les travaux que je fais en histoire ou ces choses-là. Comme tous les travaux à l'université que j'ai fait, c'était tout le temps dans un langage féministe ou inclusif parce que c'est des questions qui m'intéressent. Puis je trouve que comme par l'éducation ou comme par la recherche, comme ultimement, comme c'est une bonne façon de pas nécessairement militer, mais de c'est souvent des lacunes qui en recherche les perspectives nouvelles puis ces choses-là, fait que c'est quelque chose que je prends à cœur puis que j'investis. Puis t'as un peu parlé de ça dans le sens que tu sais, comme c'est un peu dans toutes les sphères de nos vies, comme qu'on le veuille ou non, qu'on est militant, comme ça transparaît dans tout ce qu'on fait un peu, parce que si nos valeurs, comme tu sais, deep down, que puis c'est ça que je trouve intéressant, comme au-delà du fait, comme ma façon de lutter notamment c'est par les conseils d'administration, par mes divers engagements, mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller dans des milieux où ce qu'il y a nécessairement pas de diversité. Je trouve intéressant, c'est difficile. Qu'il n'y a pas nécessairement de diversité, puis de pouvoir être la voix nécessairement, pas être la voix, il y a plusieurs voix, mais de pouvoir apporter des perspectives différentes, pas juste pour les valeurs ou comme des dossiers comme tels de l'organisation, mais juste en termes de gouvernance ou en termes d'esprit d'équipe ou de cohésion, que tout le monde se sente écouté, puis qu'il n'y ait pas nécessairement de barrière d'accessibilité, comme que les personnes peuvent comme se sentir incluses. C'est tout le temps comme de pouvoir être dans un espace inclusif, puis c'est tout le temps garder ça en tête un peu. Puis je pense qu'on n'est pas comme, je pense que c'est de par les contextes qu'on est comme qu'on a évolué dedans ou qu'on a grandi, puis ça comme je pense que c'est un peu ça qui fait que je suis sensible à ces choses-là. Mais c'est ça que, c'est comme ça que je m'engage, dans le sens que quand je m'engage dans quelque chose, comme c'est pas nécessairement comme une lutte que je vais mener, comme tu sais, j'irai pas dans la rue ou je sais pas les réseaux sociaux non plus, parce que pour ma part, comme on dirait que je perds qu'est-ce qui est vrai ou non. Comme pour moi, il faut que ça soit tangible, il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit une action. Genre, j'ai de la difficulté avec comme quelque chose qui est juste partagé, ou comme j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose. Fait que dans ce sens-là, c'est pour ça que je m'engage le plus que je peux, parce que quand je vois qu'il y a quelque chose ou des injustices, puis que j'ai pas nécessairement de tribune pour le déclarer, comme je suis juste seul, puis c'est comme triste. Mais quand on peut s'engager justement comme dans le regroupement féministe ou dans des choses comme ça, où il y a comme déjà cet esprit-là qu'on peut voir que c'est possible, comme une gouvernance inclusive où tout le monde est entendu, puis qu'il n'y a pas nécessairement de dynamique de pouvoir comme qui fait pas de sens, mais juste que comme dans ce sens-là, comme puis ça, je l'ai appris de par la formation que tu nous as donnée en gouvernance, tu sais, comme une gouvernance plus inclusive l'année dernière, puis comme ça, ça me suit, puis c'est vraiment comme, tu sais, c'est une formation de gouvernance de base, mais que la perspective féministe qui a été amenée, ça m'était tout nouveau, puis de toutes mes autres expériences auparavant dans les conseils d'administration, j'avais jamais vu ça. Puis d'avoir une expérience positive comme ça, ça me donne le goût de continuer à m'impliquer pour que les autres conseils d'administration soient plus inclusifs ou qu'il y ait la place pour les personnes qui n'ont pas nécessairement comme la voix tout le temps ou ces choses-là. C'est ça que je trouve comme intéressant de la façon. Mais c'est un peu ce que t'as amené, tu sais, à l'association étudiante, d'avoir cette place-là, tu sais, pour des personnes qui avaient pas tendance à percevoir ce véhicule-là comme un endroit où ils avaient leur place, tu sais. Les étudiants internationaux provenant de l'international avaient pas tendance à s'impliquer tant que ça au niveau du conseil d'administration, puis, ben, du conseil, au niveau de l'association étudiante. Puis là, présentement, ben c'est principalement des étudiants provenant de l'international. Tu sais, c'est sont représentés de façon équitable, dans le fond. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut... En tout cas, moi, je regarde... Tu sais, j'ai besoin des deux, là. J'ai besoin d'être dans des endroits où j'ai l'impression qu'il y a déjà un cheminement de fait. Mais je trouve que c'est important aussi d'aller dans des endroits où... Il faut être un petit peu plus la personne tannante qui prend tout le temps la parole et vous dire, ben, oubliez pas ça, là, oubliez pas ça, ou tu sais. Fait que c'est, on dirait que d'avoir l'équilibre, ça te permet de te ressourcer, là, quand t'es dans un conseil qui est un petit peu plus inclusif, puis ça te donne des forces pour aller essayer de défricher les autres terrains, là. Comme c'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés, puis ça, mais je pense qu'à la fin de la journée, comme c'est de pas s'oublier dans tout ça, comme. Je pense qu'on est des personnes qui ont comme beaucoup de compassion pour comme le monde, puis dans ce sens-là, comme ça peut être difficile des fois, comme faut pas oublier de comme se donner de la compassion, puis de se donner un peu de temps puis de l'énergie pour récupérer. Puis je trouvais ça intéressant, ça, un clin d'œil à ce que le regroupement a envoyé cet hiver-là, se reposer, s'y résister, là, les cartes de Noël. Là, ça, j'ai eu ça, puis j'étais comme en fin de session épuisé, puis j'étais comme
Oui, c'est vrai, comme des fois, on n'a pas tout le temps besoin d'être productif, puis comme, tu sais, on a besoin de se ressourcer, puis je pense que c'est ça, comme, ultimement, c'est pas le plus difficile, comme, je pense que c'est le plus difficile, c'est sûr qu'il y a des commentaires ou des choses, quand on a besoin d'être la personne, justement, qui rétorque ou qui, le rebelle, si tu veux, dans le sens où que t'es pas nécessairement d'accord avec ce qui est apporté à la table, puis que tu veux prouver ton point de vue dans le sens où que peut-être c'est pas inclusif, ces choses-là. Moi, j'ai de la difficulté à pas me laisser emporter par l'émotion quand ça vient comme ça, parce que c'est des choses qui me touchent comme beaucoup, puis c'est difficile pour moi de juste me calmer un petit peu, puis de pouvoir juste vraiment faire comprendre comme à l'autre personne, puis de façon raisonnée, juste comme pour qu'elle arrive à me comprendre, parce que des fois, c'est insensé pour moi que les gens comprennent pas des choses qui sont simples à la base, mais en termes d'inclusivité, je veux dire, mais comme je comprends le besoin de parler, parce que ultimement, comme il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas nécessairement, puis comme fait dans la mesure où comme que je suis capable, comme peu importe s'il y a comme des répercussions ou des commentaires, ça vaut rien parce que au moins j'ai une tribune, puis je suis capable de parler, puis d'exprimer mes besoins, puis je pense que ça, c'est ça qui est le mieux là-dedans, parce que si tout le monde pouvait faire ça, puis tout le monde pouvait écouter les autres, au fond, comme ça serait cool. Tu sais, c'est ça, je trouve que des fois, les personnes qui représentent la diversité, puis moi, j'ai la chance de, genre, avoir juste l'expérience de femme, tu sais, je suis cisgenre, je suis hétérosexuelle, je suis blanche, tu sais, j'ai pas d'autres oppressions qui s'ajoutent. Fait que là, tu sais, quelqu'un qui a plusieurs oppressions, mais ça met une pression énorme sur eux parce que souvent, on s'attend à ce que ces personnes-là représentent la voix ou ces personnes-là, ben, il faut que tu t'engages, il faut que tu acceptes de participer parce que sinon, il n'y aura pas personne qui va représenter la voix des personnes qui font partie du même groupe social que toi. C'était un peu ça au départ aussi quand j'ai commencé à m'engager, quand j'avais fait mon coming out, parce que j'étais un peu comme la première personne à l'école qui le faisait, puis tu sais, on me demandait de comme faire des présentations, mais j'étais engagé avec l'Alliance comme inclusive à l'école hexanique, fait que comme c'était pas nécessairement comme tu sais un problème, j'avais une place pour faire ces choses-là, mais du fait qu'on te demande constamment de faire ces présentations-là, comme je suis sûr que c'est ça qui m'a mené à l'épuisement, comme puis je voulais pas nécessairement refuser dans le sens où que tu sais c'est comme tu dis, des fois on est les seules personnes qui représentent, puis si t'es pas là pour parler nécessairement, comme tu sais, je suis entièrement conscient que ma réalité est une réalité de comme il y en a plusieurs autres, mais c'est important pour moi quand même de comme parler, puis parce que je voyais ça nulle part, puis comme d'une façon comme tu sais je l'ai fait pour moi, mais comme c'est tout qu'est-ce qui vient après justement que fait constamment demander de retourner, puis ultimement comme j'ai fait un chemin comme du cheminement depuis ça, puis c'est plus tant des choses qui oui comme ça fait partie de comme de mon identité, mais c'est pas des choses que je vais autant m'impliquer comme dans ce sens-là à éduquer par témoignage directement. T'sais, chaque victoire est un peu une bouée de sauvetage, t'sais, auquel on s'accroche pour réussir à continuer à avancer ou à travailler ou à militer ou peu importe. Mais t'sais, des fois, c'est décourageant parce que même des, c'est ça, on dirait que tu es comme tout le temps en train de, OK, faut pas que je perde ça, t'sais, on a gagné ça, mais là, faut pas qu'on le perde, faut qu'on continue à le défendre parce que t'sais, on l'a, mais c'est fragile. Puis là, en même temps, ben là, faut aussi avancer puis continuer à aller comme chercher tel acquis puis tel acquis. Puis c'est ça qui est un peu, c'est comme si tu étais en train d'essayer de, t'sais, de vider le bateau, puis en même temps d'avoir un bateau plus gros. T'sais. Je sais pas si c'est une bonne analogie, là, mais je pense que c'est ça qui est un peu épuisant, tu sais, des fois on a l'impression qu'on revient tout le temps aux mêmes discussions, aux mêmes enjeux. Tu sais, je pense à la politique sur la violence à caractère sexuel à l'université. J'ai participé au comité qui l'a mis sur pied, puis là, tu sais, en participant à la révision, j'avais comme l'impression d'être encore en train de défendre les mêmes choses, d'avoir les mêmes discussions. C'est comme si tu dis en même temps, on a comme la société a quand même évolué, tu sais, en 5 ans, 5, 6 ans, mais c'est comme si les institutions, c'est tellement lourd, c'est tellement difficile de les faire avancer que on reste pendant des années puis des années dans le même discours. T'sais, on peut prendre l'exemple de l'équité salariale, l'exemple de l'inclusion en général. J'ai l'impression que souvent on répète puis on répète puis on répète puis c'est des petites victoires. T'sais. Fait qu'il faut
faut vraiment s'accrocher à ces victoires-là parce que sinon, c'est... ça peut devenir un peu démoralisant. Quand j'étais présidente à l'association étudiante, tu deviens un peu l'étudiant qui représente tous les étudiants constamment sur tous les comités. Puis, dans ce sens-là, comme tu es tout le temps le seul étudiant, puis il y a souvent un clash comme avec comme les générations comme telles, dans ce sens-là, à savoir comme est-ce que la jeunesse est réellement écoutée dans ce qu'on dit ou est-ce qu'on est seulement là juste pour être pour dire qu'on a l'étudiant sur notre comité. Puis dans ce sens-là, c'est ce que je trouvais difficile de comme prendre ma place puis de comme nécessairement comme pouvoir représenter parce que c'est pas nécessairement une personne de juste faire ça. Mais en termes d'implication féministe, peut-être que t'as plus de... Ben, moi, je pense qu'il y a ça, tu sais. Ben, je l'ai vu dans le, tu sais, dans, à partir du début de mon implication au recrutement féministe jusqu'à ce que je cesse de m'impliquer au niveau du conseil d'administration, mais je continue à participer aux assemblées générales annuelles puis aux activités quand c'était possible. Fait que je l'ai vu dans le sens où, tu sais, dans l'histoire du regroupement, tu sais, moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà une différence. J'étais une des plus jeunes. Aujourd'hui, je pense que j'étais de nouveau au conseil d'administration, je serais probablement parmi les plus vieilles. Pas nécessairement la plus vieille, mais parmi les plus vieilles. Mais quand je suis arrivée, il y avait juste Estelle Lantaigne qui était plus jeune que moi, puis toutes les autres, puis Sarah, la directrice générale. Mais sinon, toutes les autres étaient... vraiment plus vieille que moi, tu sais, d'une autre génération. Puis, au départ, tu sais, comme je me souviens en 2000, je pense que c'est en 2011, quand j'ai été élue vice-présidente, qu'il y avait eu le débat à l'Assemblée générale annuelle, je me souviens, Jean-Paul Savoie était là, sur est-ce que les hommes devraient avoir le droit de parole en Assemblée générale annuelle, parce que jusqu'à ce moment-là, les hommes pouvaient être membres du regroupement féministe, mais avec la catégorie membre de soutien, qui était un peu la même catégorie par laquelle les organismes externes, ben, hors province, pouvaient être membres, c'était 200$. Donc, on leur demandait, tu sais, si vous voulez être membre, là, vous devez payer le gros prix, plus que les autres. Donc, il y avait ça. Puis, là, ce qu'on proposait, en fait, c'était de les mettre dans une autre catégorie où il y avait le droit de parole, mais pas le droit de vote. Puis, il y avait eu un gros débat là-dessus. Puis, tu sais, je sentais vraiment le clash. Puis, j'étais capable de comprendre en même temps, dans le sens où j'ai eu la chance quand même dans ma génération de vivre beaucoup moins de discrimination basée sur le genre en termes de capacité à prendre ma place. Puis j'ai peut-être une personnalité aussi extrovertie où c'est plus facile de prendre la parole. Puis ma formation m'habilite à prendre la parole aussi. Mais tu sais, il y avait des femmes 20, 30 ans plus âgées que moi qui avaient vécu tu sais, dans une société où, tu sais, il fallait, dans le fond, avoir la signature de ton conjoint pour avoir un prêt à la banque, où elles se retrouvaient dans un groupe et elles n'avaient pas la parole. Puis je sais que ça existe encore aujourd'hui, là, tu sais, je pense au témoignage de Jody Dallard, tu sais, quand elle était la seule femme sur le conseil municipal à Dieppe. Tu sais, je pense que quand les femmes se retrouvent les seules autour de la table, elles vivent encore ça, mais on dirait que il y avait comme un clash hein, moi et les plus jeunes et l'autre génération sur cet enjeu-là de prise de parole des hommes. Fait que ça avait pas passé, en fait. il y avait le droit d'être là, mais pas le droit de parole. Puis là, 2 ans plus tard, on avait réussi à faire en sorte que, oui, tu sais, les hommes alliés qui adhèrent, à partir du moment où ils adhèrent à la constitution, aux valeurs, peuvent venir. Puis en général, il y a toujours eu des hommes qui ont participé par la suite. Puis c'est rare que des hommes prennent la parole. Tu sais, il y avait parfois des hommes, surtout les hommes, quand on parle à ce moment-là, c'était des hommes hétéros et cis la plupart du temps. Puis c'est ça. Dans le fond, quand il y en avait, ils prenaient pas nécessairement la parole ou ils prenaient pas plus de place. Fait que dans le fond, il y a eu ça. Puis là, tu sais, je veux dire, je me souviens que quand
le regroupement a, je pense, 2 ans passés, qu'a travaillé. Il y avait eu une assemblée extraordinaire avec une discussion sur la question de l'inclusion des personnes appartenant aux minorités de genre et dans le fond leur inclusion à titre de membre à part entière. Et je me souviens que j'avais eu comme des échos, tu sais, de féministes ou tu sais de femmes d'une autre génération qui avaient une crainte, tu sais, puis c'est toujours cette crainte là de dire, ben est-ce qu'on va laisser de côté, tu sais, les enjeux qui sont importants, est-ce qu'on va devenir seulement la voix de la diversité sexuelle et de genre, mais tu sais, c'est comme toujours cette crainte, c'est la même crainte en fait que qui était exprimée à la base par Bell Hooks, entre autres, là, tu sais, au niveau de la pensée intersectionnelle, c'est de dire, ben, comment on peut avancer si on est tout le temps en train de juste avancer pour un groupe sans tenir compte des intersections ou des autres oppressions. Mais j'ai, là, tu sais, je veux dire, il y a eu une progression, puis je pense qu'en général, il y a eu un certain, les gens se sont ralliés, les personnes se sont ralliées autour d'une perspective plus inclusive, puis on en est arrivé à moins de différences de génération. Mais elles ont existé, là, c'est dans l'histoire du regroupement, faut pas se le cacher, puis je les ai entendus, ces débats-là. Mais je pense que aujourd'hui, tu sais, on est ailleurs, puis au niveau du regroupement. Mais comme tu dis, c'est pas nécessairement la réalité. Puis on voit ces enjeux-là aussi au niveau du mouvement LGBTQ+, au niveau de d'autres groupes, tu sais, comme on mentionnait au niveau de la gauche, au sein du féminisme, il y a des débats, là, il y a des questions sur lesquelles il y a des positions diamétralement opposées au niveau des féministes, tu sais, entre autres la question du travail du sexe, la question du voile, tu sais, souvent ça va être des enjeux où il va y avoir beaucoup de désaccords, de clash intergénérationnel souvent, mais pas toujours. Puis c'est ça, au niveau du mouvement LGBTQ+, bon, on voyait beaucoup ça par rapport à mouvement LGB. Et ben au départ, hein, LG et B, puis ensuite en LG et trans, donc entre diversité sexuelle, diversité de genre. Puis c'est toujours, on dirait, cette crainte-là de si on cherche à combattre les injustices pour des sous-groupes, on cherche pas à combattre des injustices pour le grand groupe. Mais c'est pas le cas, tu sais. C'est parce qu'à partir du moment où tu avances sur des questions d'équité, ben tu avances, tu réussis à améliorer aussi. T'sais, si tu avances sur des questions de diversité de genre, si tu avances sur des questions de diversité sexuelle, tu avances aussi sur la question des femmes. T'sais, c'est pas exclusif. Puis, comme j'ai dit au départ, que je connaissais pas ce clash-là parce qu'ultimement, quand je me suis présenté au regroupement, comme le débat avait déjà été fait, mais je l'avais partagé quand j'avais présenté ma candidature, justement du fait que j'avais déjà écrit au regroupement avant, justement pour cette inquiétude-là, du fait que à ce moment-là, le contexte était la clinique, je pense que c'est 554 là, à Burlington, oui. Elle allait fermer, puis question de diversité sexuelle et de genre, comme pour les personnes trans au Nord-Ouest, comme c'était la seule place accessible pratiquement pour avoir accès à de l'hormonothérapie ou juste comme avoir comme des soins de santé sexuelle qui ont de l'allure, puis que des gens qui sont sensibilisés, malgré le fait que c'est anglophone, du moins on avait les services. Puis ma préoccupation face à ça, c'est qu'il y avait pas, j'étais dans un comité justement de diversité sexuelle, puis j'ai fait la demande, ben, est-ce qu'on peut faire une action politique dans le sens où est-ce qu'on peut faire une déclaration, une lettre pour dire non, c'est déplorable qu'on coupe le financement, puis on m'avait dit non, on fait pas d'action politique. Puis j'étais comme ok, ça va, fait que là j'étais comme ben je fais ça de façon individuelle, puis là c'est là que je me suis mis, je suis comme ben c'est où ma tribune, puis le regroupement, ça faisait une couple d'années que je suivais par justement une collant qui m'a appris l'histoire du regroupement dans mon cours d'histoire des femmes. Puis tu sais, tu en parlais aussi dans tes cours, puis ça. Puis comme je me voyais représenter au regroupement féministe, puis je voyais que les luttes qui avançaient nécessairement me touchaient. Comme moi aussi, si j'ai besoin d'avoir accès à l'avortement, des choses comme ça, comme c'est des choses qui nous touchent aussi. Puis c'est ce que je trouvais difficile dans le sens que j'avais pas nécessairement de place, mais de
j'ai peut-être sauvé, je me suis sauvé du débat qu'il y a eu dans ces années-là à l'Assemblée générale extraordinaire, mais quand je suis rentré au regroupement dans ce sens-là, j'ai pas nécessairement comme senti, tu sais, je me suis senti accepté, puis mais j'ai encore comme le réflexe d'avoir le besoin de me justifier du fait que je suis un homme dans un regroupement féministe. Puis c'est juste comme, je sais qu'il y a des gens qui se questionnent, puis je veux pas tout le temps avoir besoin de dire que je suis un homme trans, comme c'est pas des choses que j'ai tout le temps besoin de partager, fait que c'est comment est-ce que je, comme, c'est juste de détruire un peu, comme je trouve qu'on accorde tellement trop d'importance aux étiquettes ou aux mots, quand ultimement, comme il y a tellement des dossiers, comme tu as dit, qui font avancer pour tout le monde, puis ça touche comme nécessairement tout le monde au-delà des étiquettes, mais on s'arrête tout le temps à ces mots-là au lieu de voir l'enjeu qui en arrière qui profiterait à tout le monde, dans le fond. Ouais, puis qui est plus, dans le fond, intersectionnel, qui est, tu sais, je veux dire, c'est, dans le fond, ultimement, c'est l'expérience d'oppression, tu sais, c'est l'expérience de pas avoir une voix, tu sais, c'est, ultimement, c'est ça, tu sais, puis il y a, c'est comme si, pendant longtemps, il y a eu cette crainte-là de, tu sais, de, quasiment de, c'est presque une paranoïa de dire, ben, c'est quelqu'un qui va infiltrer pour venir, tu sais, venir nuire ou faire stagner la lutte et tout ça. Puis, tu sais, on voit ça aussi au niveau, tu sais, en tout cas, ça me fait penser à tout le cheminement aussi qui a été fait à l'escadre Madavik, tu sais, où, tu sais, quand j'ai commencé à m'impliquer avec eux, il y avait seulement un homme qui travaillait plus au niveau de l'entretien. Puis là, maintenant, je pense qu'il y a 2 ou 3 intervenants qui travaillent plus au niveau du centre d'ambiance sexuelle, mais tu sais, qui ont quand même une approche, tu sais, qui sont féministes, qui défendent les enjeux. Fait que je pense que c'est ça. Il y a une évolution quand même à différents niveaux, mais il y a quand même une différence intergénérationnelle au niveau du féminisme. Tu sais, moi, quand je regarde au niveau de l'ouverture en soi, tu sais, quand je regarde les plus jeunes générations, j'ai l'impression que le discours féministe est beaucoup plus présent qu'il l'était quand moi j'étais au secondaire. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est de plus en plus démocratisé, le féminisme. Je trouve qu'une bonne façon de commencer, c'est de, tu sais, pour moi, en tout cas, c'est de joindre un conseil d'administration. Mais juste un rôle d'administratrice, souvent, il y a comme quelque chose d'intimidant, en fait, de faire partie d'un conseil d'administration, mais le rôle d'administratrice ou d'administrateur, d'administrateuriste fait en sorte que tu peux, comme, participer, mais sans avoir de responsabilité spécifique, tu peux observer beaucoup. Tu sais, je trouve que c'est vraiment une belle position pour apprendre, puis apprendre l'engagement, en fait. De participer aux événements organisés par les organismes aussi, à différents niveaux, je pense que ça peut être une belle entrée, mais c'est pas pour tout le monde, tu sais, puis c'est correct. Comme on disait tantôt, tu sais, bon, moi, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment par là nécessairement que je m'engage. Tu sais, tu mentionnais, ben, j'ai pas nécessairement envie d'aller manifester dans la rue, tu sais, mais c'est correct. Si une personne se sent à l'aise avec ça, elle peut commencer avec ça, mais je pense que c'est juste d'accepter que tu sais pas tout, puis que, tu sais, c'est, je pense que des fois on a comme la pression de, ah, si je m'engage dans un enjeu ou auprès d'un groupe, ben je dois tout connaître sur le sujet, mais c'est d'accepter que tu sais pas tout, c'est correct, puis que chaque action va faire une différence. Puis je trouve que le féminisme, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, dans le sens où il y a à la fois un espace pour aller chercher des outils, des connaissances et tout ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que, surtout maintenant, il y a une réflexion au sein du mouvement féministe sur les inéquités au niveau des connaissances aussi, tu sais. C'est pas tout le monde qui a accès à la connaissance de la même façon. Fait que ça crée un espace d'ouverture dans le sens où t'es pas obligé, là, de, tu sais, je pense au club de lecture féministe, là, auquel j'ai pas eu la chance de participer encore, mais j'en discutais avec quelqu'un de la région du Nord-Ouest qui a participé, puis qui disait, ben, je connais pas beaucoup de choses, mais en même temps, je me suis sentie accueillie, puis c'était pas grave si j'avais pas déjà comme tout un bagage. Fait que je trouve que, tu sais,
à la base, le féminisme, surtout le féminisme actuel, permet ça. Puis aussi, c'est en fait ultimement une lutte contre les systèmes d'oppression. C'est une lutte contre les systèmes de pouvoir. Puis même si dans des mouvements féministes, il y a des inégalités de pouvoir, j'ai l'impression que le regroupement féministe a réussi dans les dernières années à vraiment déconstruire ces structures-là puis avoir un fonctionnement qui est plus hiérarchique. Je dis de l'externe parce que j'ai été moins impliquée à l'interne, mais c'est vraiment l'image que j'en ai que c'est plus horizontal comme fonctionnement. C'est vraiment il y a vraiment un souci de pas reproduire, tu sais, les inéquités entre, par exemple, les hommes et les femmes à l'intérieur des femmes, parce que, tu sais, ou les inéquités en termes de minorité de genre versus personnes cis à l'intérieur du mouvement. Je pense qu'il y a vraiment un souci de pas aller vers cette reproduction-là des structures de pouvoir. Puis c'est pas toujours le cas, puis c'est pas le cas dans toutes les organisations féministes non plus, mais j'ai l'impression que ce travail-là a vraiment progressé beaucoup dans les dernières années. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un bon lieu pour s'initier à l'engagement. Moi aussi, c'est pas que je me reproche de pas m'avoir impliqué avant avec le regroupement, mais dans le sens où que c'est justement, c'est cette ouverture-là de comme, que tout le monde vient de, comme, en arrivant à la table, comme, je pense qu'on est toutes conscientes que comme, on provient toutes de contextes différents, puis c'est clair. Mais c'est pas clair comme ça à d'autres conseils d'administration, puis ça. Fait c'est vraiment de choisir un peu comme, où est-ce que tu veux, comme, t'impliquer, puis de savoir ce qui te tient vraiment à cœur, puis savoir ce que t'as l'énergie de faire, puis savoir comme, de te retirer d'un conseil d'administration, c'est ultimement comme t'es pas écouté ou des fois ça peut devenir comme lourd d'être cette seule personne-là, puis c'est de pouvoir prendre ce recul-là puis dire ben si nécessairement comme il n'y a rien de ma capacité que je suis capable de faire ici pour changer le système en place qui est pas nécessairement comme inclusif, ben c'est peut-être plus sécuritaire pour moi de me retirer ultimement, puis c'est d'apprendre que tu sais tous les engagements sont différents ultimement, puis que c'est ça, de choisir où tu mets tes billes d'énergie là, à la fin de la semaine là, puis de pouvoir vraiment comme t'impliquer à fond dans ce qui te passionne, puis une fois que t'as trouvé ça, comme ça devient plus plaisant s'impliquer, puis justement dans un milieu plus inclusif, ben c'est plus plaisant quand il y a pas cette dynamique de pouvoir là justement, puis de savoir que tout le monde est réellement entendu. Fait dans ce sens-là, comme pour commencer à s'impliquer, des fois ça peut faire peur si tu pas, je veux pas dire tu choisis pas les bonnes organisations, mais c'est de voir ce qui t'intéresse vraiment, puis de, mais je pense que ultimement comme le regroupement est une bonne porte d'entrée pour ça, parce que si je me trompe pas, je veux pas te dire de mensonge là, mais c'est comme un des premiers regroupements comme au Canada qui inclut aussi les minorités de genre, comme on parle encore des femmes de niveau national, puis ces choses-là. Fait que tu sais, c'est encore des choses, comme tu dis, le changement social prend du temps pour avoir de la patience. Mais au moins c'est beau voir que comme au niveau provincial, tu sais, ça avance, puis qu'on a une place à pouvoir être juste librement, puis pouvoir comme s'exprimer. Pis. Thank you.